C'est cool que la municipalité nous récompense parce que ça pousse les jeunes à faire plus. On voit que tout travail est récompensé, donc je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Vous avez entendu, il y a plein de monde qui crie, etc. Donc ça rajoute un petit stress, mais c'est bien. Je suis là pour récupérer la récompense qui nous a été attribuée. J'ai eu mention très bien au baccalauréat avec 17,58. Je suis contente du travail que j'ai fourni. Vraiment, j'ai attendu la fin de l'année pour bien réviser, mais j'ai quand même eu ma mention. J'ai eu de la chance, tout s'est bien passé. Fallait quand même réviser, mais ça va, je l'ai eu, quoi. Donc c'est bien. C'est valorisant, en plus de ça, on a de l'argent. Donc on dit jamais non pour de l'argent. Je me sens un peu spéciale, entre guillemets. Je suis contente d'avoir reçu ce prix. Bien sûr, les diplômes, vous me direz, ou le bac, ce ne sont que des étapes. Ce qui est important surtout, c'est ce que vous faites de ces diplômes. Nous souhaitons tous et toutes que vous atteigniez vos rêves, que vous atteigniez les objectifs que vous vous êtes fixés. Et puis vos parents, certains que je vois aussi sourire et fiers en face de moi, le souhaitent aussi. À la suite du bac, j'ai rejoint une école d'informatique qui s'appelle Epitech au sud de Paris et j'aimerais bien être ingénieur informatique. Cette année, j'ai fait une fac à Créteil. Je travaille en économie internationale. J'ai arrêté mes études. Je suis auto-entrepreneur, donc je travaille pour moi. J'ai lancé mon activité et voilà, j'essaie de m'en sortir. Cette année, je suis à l'Université Paris 13 à Bobigny et je fais un PASS, c'est le parcours accès spécifique santé qui va m'emmener vers des filières médicales pour pouvoir faire médecine. Toutes les villes ne récompensent pas leurs bacheliers. Il est important pour nous de valoriser l'effort, de susciter encore plus l'envie de réussir, de prouver aussi qu'à Drancy ou en Seine-Saint-Denis, on peut réussir au moins aussi bien, si ce n'est mieux que n'importe où.